motherfucker. Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment super. Je viens d'avoir une petite idée de faire un nouveau concept. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de série entre guillemets suivie, mais franchement ça fait pas mal de temps que je cherche des concepts comme ça à vous présenter, mais j'avais pas trop d'idées, mais là je viens d'avoir une petite idée, ça peut être pas mal. Je regarde pas mal de vidéos sur YouTube pour essayer de pas de voler des idées, mais de m'inspirer de certaines personnes, on va dire. Et je me suis dit, ce qui pourrait être pas mal, c'est faire une aventure suivie d'un perso que je montrais du niveau 1 jusqu'au niveau je ne sais pas combien, dans lequel j'apprendrai à monter un métier, à se faire des premiers kamas, ou les techniques où il faut XP. Un petit peu comme la série comment monter un sacrilleur niveau 200 en solo, mais là c'est vraiment avec l'XP x1, sur même limite sur un autre serveur, enfin je sais pas encore, mais franchement je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement ça m'enchante vraiment. Donc je faisais cette vidéo tout simplement pour vous demander, on va essayer de faire vraiment un buzz, je vais vous demander de me mettre dans les commentaires la classe du perso que vous aimeriez bien voir incarné dans la série. Donc je vais vous remonter toutes les classes. Donc les FK, j'aime pas trop, mais bon ça peut être un petit challenge, hein. J'apprendrai peut-être à jouer avec. Los Abodas, j'aime vraiment bien, en plus je trouve qu'ils sont pas mal stylés. Oula pardon, j'ai le hockey. Ils sont pas mal stylés avec les nouvelles coiffes. Les Zenus, j'adore. Ça c'est juste un des persos que j'aime le mieux. Le SRAM, en général j'aime pas, mais c'est vrai que ça me forcerait peut-être à jouer avec. Mais comme c'est un petit peu comme les Roublards, ça me forcerait peut-être à apprendre à jouer avec. Donc ce serait pas mal. L'Exelor, j'aime bien aussi. C'est une classe assez polyvalente. Franchement j'aime encore bien. En plus cette coiffe là je la trouve trop stylée avec la crête. Les EK, j'adore aussi. C'est vraiment un des persos que de tout le monde des 12, je pense que c'est limite après, je dirais, allez je sais pas vraiment dire, c'est vraiment dans le top 3 on va dire des classes de Dofus que j'adore. C'est les EK, le Sacri et le Roublard on va dire. Et j'aime aussi bien les Yop, les Oban, enfin c'est pas trop grave. Donc les EK j'aime bien. Les Eni, c'est bof bof, ça me dérange pas, mais c'est pas un de mes persos préférés pour autant. Les Yop, franchement c'est super à jouer, même à bas niveau, autant à bas niveau qu'au haut niveau. Depuis la mise à jour, c'est vraiment une des classes que j'aime le mieux dans les, on va dire dans les bas niveaux. Cette coiffe là elle est trop stylée, celle là aussi, mais celle là elle passe mieux avec les objets. Alors il y a, oh là j'ai sauté l'écra. L'écras c'est pas mal parce que c'est un perso qui est assez polyvalent, autant à bas niveau, mais qu'il est un peu moins à haut niveau parce que voilà ses sorts ça l'handicape un petit peu de pouvoir taper tout le temps à distance. Les Sadida, c'est ma première classe en fait, quand j'ai commencé Dofus, que j'ai commencé avec un Sadida. Donc je connais assez bien. Les Sacrieurs, là il n'y a pas de commentaire, hein, c'est une des classes les plus redoutables de Dofus. Et une des classes que je connais on va dire le mieux, mais que je sais pas jouer super bien à très haut niveau on va dire. Les pandas, franchement avant j'aimais pas trop, mais depuis les dernières mises à jour avec les nouveaux sorts, franchement c'est vraiment sympa comme classe. Les roublards, j'ai pas très envie de faire avec un roublard parce que voilà j'ai déjà un roublard assez haut niveau, donc je me vois mal recommencer un roublard pour à 0, enfin soit c'est vous qui décidez, mais personnellement je préférerais pas avoir un roublard. Les Obal, j'adore aussi. Les 26 premiers niveaux on va dire c'est assez compliqué, mais après c'est vraiment bien. En plus les coiffes sont assez sympas. Chez les filles je sais pas comment ça donne, j'ai pas encore regardé. Celle-là elle est bien, je sais pas trop, ouais ça change pas grand chose. Celle-là elle est bien franchement. Et pour terminer, l'Estimeur, qui est une classe que je ne connais absolument pas. Je connais le principe, je sais un petit peu comment fonctionne leur tourelle, mais je sais pas du tout jouer avec
au-dessus du niveau 40-50, on va dire. Donc, si c'est un steamer, c'est vraiment une grande aventure qui s'annonce. Pour les métiers, j'ai déjà ma petite idée de quel métier on va pouvoir monter. Si jamais je mets des techniques camo, des trucs comme ça, toute façon, si c'est sur YouTube, ben je mettrai les vidéos dans les commentaires des personnes qui l'ont fait, et je ferai des petites dédicaces, vous inquiétez pas. Moi, ce que je vais vous demander par rapport... Oula, il y a une de cette tête, le Fekka comme ça, on dirait un chinois. Enfin, soit. Donc, je disais, ce qu'on va faire, on va essayer de créer un petit buzz tout ensemble, ma petite communauté. On est bientôt à 4500 abonnés. Hein. C'est quand même abusé la vitesse à laquelle ça monte. Je me rappelle encore d'avoir fait la vidéo des spéciales 1500 abonnés. C'était il n'y a même pas 2-3 mois. Et là, on est déjà presque à 5000, donc c'est vraiment monstrueux. L'aventure que je vis avec vous sur YouTube, c'est vraiment incroyable. Donc, franchement, je vous gérerai, les gars. Donc je vais réussir à y arriver à ce que je vous dis, le petit buzz depuis tout à l'heure, qu'à chaque fois je me coupe parce que j'ai envie de parler. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire limite un spam, j'ai envie de dire. Mais je vais vous demander dans les commentaires de chacun mettre le nom de la classe que vous avez envie de voir. Et jusqu'au jour où je vais commencer la quête, donc à mon avis ce sera pendant les vacances que je vais commencer ça, que je vais commencer l'aventure, pardon. Bah, le dernier jour, je vais dire là c'est stop, je vais prendre les commentaires et je vais compter. Je sais ça va être chiant, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Et je vais essayer de voter, enfin de compter, comme ça bah, ceux qui ont plus spammé, on va dire, c'est un rêve, mais 1000 commentaires où il est mis Roub ou Roublard. Ça va, par contre, je vais essayer de vous demander de mettre le nom complet de la classe, même si je sais bien qu'il y en a pour Roub, ils vont mettre Roub, pour Eka Flip, ils vont mettre Eka, enfin je le sais déjà d'ici, vous inquiétez pas. Mais vraiment, mettez un nom de classe par commentaire. Et même si vous voulez mettre 15 commentaires, vous mettez 15 commentaires, je m'en fous complètement, c'est vous qui voyez. Si vous êtes vraiment motivé à avoir une classe, bah passez le mot à vos potes et essayez de voter un maximum. Et ce que je ferai peut-être, c'est par rapport au nombre de commentaires, par après je ferai peut-être une loterie avec un truc à gagner. Et je prendrai par exemple, juste après, je prendrai le nombre de commentaires, on va dire 500, et je ferai peut-être gagner... un petit truc exclu, j'ai envie de dire c'est une surprise, ce sera peut-être... J'ai en tête soit un compte avec un perso, on va dire, genre niveau 50 sur mon serveur, ou un perso niveau 100, enfin, je verrai bien, franchement, c'est encore à réfléchir, mais je verrai bien. Donc vraiment, ça va être le buzz. Je sais que c'est un petit peu dégueulasse de faire ça, parce que voilà, vous allez spam les commentaires. Mais et en même temps, ça se fait pas trop. Je pense pas que ça se fait de demander de spam les commentaires. Mais moi, c'est pour vous. Hein. Si vous voulez en mettre qu'un seul, vous n'en mettez qu'un seul. Si vous voulez pas en mettre du tout, bah, vous n'en mettez même pas. Et donc, voilà. Donc, ce que je vais même faire, je viens de penser à ça. Pour le sexe du personnage, bah, je ferai peut-être un vote. Genre, je vous dirais, ouais, essayez d'être là d'un tel jour à tel jour. Je ferai peut-être une... un truc sur Facebook ou sur Twitter, je verrai bien. Enfin, je vais essayer de faire ça pour vraiment essayer de créer un petit buzz par rapport à ça. Donc voilà, donc je vous rappelle, dans les commentaires, vous mettez le nom complet de la classe que vous avez envie que j'incarne pour l'aventure suivie, donc le walkthrough que ça va s'appeler, c'est le mot en anglais, c'est de aventure suivie. Je sais pas si ça veut vraiment dire ça, parce que walk c'est déjà marché, enfin je sais plus trop ce que ça veut dire. Enfin soit, donc une dernière fois avant que je me répète, vous mettez le nom complet de la classe, je sais je l'ai déjà moins dit 5 fois mais c'est pour que ce soit bien clair, dans les commentaires, vous mettez autant de commentaires que vous voulez, évitez d'en mettre beaucoup trop parce que souvent il y a YouTube qui va mettre spam ou je sais plus trop comment ça fonctionne. Enfin soit, on va dire maximum 10 par personne, on va donner ça pour éviter que vous vous fassiez avoir. Et faites tourner la vidéo à tous vos potes pour que eux aussi viennent voter dans les commentaires. Et en plus de ça, je vous demandais si c'est possible de mettre un petit pouce vert si le concept vous plaît en dessous de la vidéo pour vraiment essayer de faire référencer la vidéo pour que quand on tape Dofus, ben, wow, ce soit la première vidéo qui se mette dans la recherche. Donc ça, ce serait vraiment super.
Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que le concept vous a plu et j'espère que vous allez commenter comme des barbares. Moi je vous dis à très bientôt. Bonne fin du monde parce que oui, là on est le 18, donc dans 3 jours, techniquement, si les Mayas avaient raison, ben, ça devrait être la fin du monde. Donc ça on verra bien. Je vous dis déjà joyeux Noël si je fais pas de vidéo depuis, mais à mon avis j'en ferai encore une ou deux avant Noël. Et déjà bonne année, bonne santé hein, et tout le tralala. Et c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc moi je vais aller encore étudier un petit peu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!